exposition au château de Catillac, on a 14 œuvres qui ont été installées. Il y a de la sculpture, comme celles qui sont derrière moi. Il y a deux dessins, dont vous voyez un sur la cheminée. J'ai essayé de travailler le dessin dans les teintes et dans les matières, en faisant des choses qui ressemblent un peu au faux marbre pour faire les plumes. Et puis pour la peinture dorée, j'ai essayé de prendre la même teinte que la dorure qui a été utilisée pour faire la cheminée, de façon à ce que le dessin soit bien intégré dans la cheminée, qu'il n'y ait pas de confrontation. En résonance avec ce dessin, on a décidé d'installer le cavalion de l'Apocalypse. Donc c'est une taxidermie de lion, chevauchée par un moulage qui a été rempli avec de la mousse expansée. Et le tout est recouvert avec de la perle de rocaille et des plumes de faisan de colchis de mâle. C'est le faisan qu'on voit traditionnellement dans nos campagnes.